Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une petite vidéo qui n'était pas prévue, mais j'ai eu quelques petites demandes concernant le junk Égypte pour que je vous montre un petit peu l'avancement du junk. C'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de m'en occuper, donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait. Mais vous allez voir juste un petit peu pour garder un peu de surprise pour lorsque je vous le présenterai. Donc voilà, la couverture, j'ai déjà fait ma structure et mes livrets sont intégrés dedans. J'aime bien commencer par la structure, oui je sais c'est mieux de faire les livrets d'abord, mais moi j'aime bien, je suis comme Ludivine, j'aime bien avoir ma déco en tête et tout, ma base, et ça me permet après d'avancer et de créer plus facilement. Donc vous voyez, je suis parti sur un papier avec des pyramides. Mon imprimante a fait des siennes, ça devait être des couleurs sable. Mais ça m'a sorti ce rendu, puis finalement j'aimais bien, donc du coup je l'ai intégré quand même à ma couverture. Ici j'avais une petite momie d'Halloween, donc du coup je l'ai intégré également à la couverture, je trouvais que ça faisait sympa. J'ai remis ce crochet pour le fermoir, mais je ne sais pas si je le garderai, parce que je vais voir ce que ça va donner, je sais pas. Je vais peut-être mettre un système d'aimant, je ne sais pas, j'avais mis ça, mais on verra si je le garde. Là j'avais un stickers Puffy, donc du coup Égypte, c'était parfait. Donc je l'ai intégré à ma couverture. Faut encore un peu que je travaille le décor, mais ça va venir. Ici sur la tranche, donc j'ai mis un petit anneau pour faire un bijou d'album. J'ai mis ici, voilà, toujours une image avec la pyramide de Gizeh. J'ai mis une petite étiquette ancienne Égypte. Bon, à l'arrière, il n'y a rien pour le moment. J'ai intégré des coins métal pour donner un petit peu de brillance. Voilà. Et de doré à la création. Parce que l'Égypte, voilà, c'est assez bling-bling, on dira, dans les pyramides. Donc, du coup, j'ai mis un peu de coin doré. J'ai commencé à préparer un tag, mais il n'est pas fini, vous voyez, avec les différents hiéroglyphes et la signification. Là, j'ai du coup mis un papier du bloc travel. Voilà, je trouvais que ça, les couleurs allaient super bien avec le thème. Et j'ai fait deux livrets. Voilà, vous voyez. Ici, normalement, je pense que je vais mettre. J'ai fait une petite encoche pour pouvoir mettre un stylo. Il faut que je le retrouve. J'avais un stylo sur le thème justement Égypte. Donc ça va être parfait pour l'intégrer dedans. Et puis là, vous voyez, vous avez mes carnets qui ne sont pas encore. J'ai juste fixé à la base. Il reste juste à les travailler. Vous allez avoir une page comme ça. Ça, j'avais beaucoup aimé lorsque Ludivine avait fait ça. Mais par contre, là, vous allez voir, j'ai fait un. Voilà. Dans ma machine, ça a un peu merdouillé, comme on dirait. Du coup, va falloir que je rattrape un petit peu ici. Je vais voir ce que je peux faire. Mais je vais trouver un truc à faire pour cacher tout ça. Est-ce que je peux vous montrer d'autres? Bah, si, j'ai mis là, à la fin, vous savez, l'embellissement, là, avec le. Hop! Avec le petit groupe de dromadaires. Voilà, qui avance. Donc, j'ai collé mon embellissement à la fin. Il me reste à poser le yep parce que j'ai toujours pas posé. Toujours mis ce papier de fond. Voilà, vous voyez, je vous laisse découvrir quelques pages. Hop. Et c'est tout pour le moment. Voilà, vous aurez la suite prochainement. Alors, attendez, je vous dis ça tout de suite. Normalement, j'ai prévu de le terminer pour le. J'aimerais bien l'avoir fini et vous le montrer. Pour. Ouais, pour d'ici un mois grand max, j'espère l'avoir fini. Ouais, pour mi-août. Là, je vais partir en vacances pendant 3 semaines. Donc, je pense que je vais travailler. J'aurai le temps de travailler dessus. Et je pourrai vous présenter tout ça tranquillement. Je vous ai tourné des petites vidéos d'avance. Donc, je ne reste pas sans nouvelles. Vous allez avoir un petit peu ma frimousse pendant les vacances quand même. Et puis je vous ferai peut-être des hauls, des petites vidéos surprises en plus. Voilà, ça reste à voir en fonction de ce que je vais faire ou pas pendant les vacances. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette petite vidéo improvisée vous fera plaisir. En tout cas, je vous dis à très vite et puis portez-vous bien. Ciao, ciao!